été, on voit où la donne aujourd'hui à Fukushima. Quand la centrale a explosé, les eaux étaient affectées. Tous les poissons sont morts autour. On se dit, les poissons sont morts. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au fin fond de l'océan, il y a une nouvelle race de homards violets géants qui est née. Ils remontent à la surface, ils vont envahir la Terre, ils vont tuer, éradiquer la race humaine. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Je pense qu'on va avertir les gens, que les gens vont regarder le homard différemment. Vous êtes plusieurs, de toute façon, vous avez plusieurs têtes. Il faudra trouver une solution. Il faudra négocier. Disons qu'on se présente un peu comme les ambassadeurs d'une nouvelle génération de gens qui pensent qu'on peut cohabiter en paix avec le homard. Oui, parce que le homard est gentil. Le homard est gentil, il faut le prendre de mon côté. Le homard, il est pour rien, en fait, comme tout ça. Il est mayonnaise. Exactement, le homard. Déjà, moi, j'ai des lignes qui fonctionnent tous. J'ai depuis pas mal de temps, et en fait, il n'y en a pas envoyé parce que j'ai une pression, tout simplement. Et déjà, ça, c'est plutôt un point positif, parce que le CD, c'est pas forcément le cas. Et puis, bah ouais, bien sûr, tout ce qui nous a influencé quand on était membre, quoi. Enfin, ouais. C'est évident que la liste, elle va être super longue, mais. C'est évident que le rapport au mini n'est pas le même que le rapport au CD. Quand j'ai le premier 33 tours des crampes, c'était l'impression que t'avais la photo avec Brian Boudreau avec sa mèche, mais qui faisait un peu peur. À l'époque, t'avais pas d'autres vecteurs pour savoir qui étaient les gens. Maintenant, les mecs, ils vont sur YouTube, ils ont 50 clips, l'histoire du groupe à l'époque, t'avais que la pochette du disque vinyle avec la photo en grand, et de là, t'imaginais un monde derrière. Et après t'allais voir le groupe, donc c'était un truc qui était assez formidable. Après moi je collectionne les vinyles, hein, donc et sur l'album précédent il y a un morceau qui s'appelle Only Vinyl is Cool qui parle que de ça. Ce que nous on a fait par exemple sur le 45 tours qu'on a fait, qui est chez vous, c'est qu'on a enregistré un morceau qu'on aimait vraiment bien, qui est une reprise des Aristochats, tu vois, qui s'appelle Tout le monde veut devenir un chat. On l'a fait en anglais et en français. Et en fait, la combine pour enfants, c'est pas faite. On se dit, on a ce morceau, mais qu'est-ce qu'on prend bien, le bien, toi, qui est vraiment bien, qu'on aime bien, qu'on a joué en concert, à un moment donné. Et ça, elle pouvait pas aller sur notre album, parce que c'était. Nous, quand on fait un album, on le pense dans une globalité, on fait les morceaux les uns par rapport aux autres, etc. Et du coup, on se dit, mais ça serait génial, en fait, de le mettre en face B d'un 45 tours, qu'il existe à part entière, que ça ne soit pas juste un morceau qu'on met, je sais pas où, un MP3, en supplément d'un truc digital, tout pourri, parce que moi, le digital, ça me parle pas les masques. Quoi. Ah, tu te poses une colle. Je dirais 100 mégas, en fait. 100 mégas. Ouais, 100 mégas, pour vraiment avoir le goût du homard, quoi. Fais chier la main. Nature, direct. Je viens pour vous détruire. Nous allons éradiquer la race humaine. Et viendra l'ère du homard violet géant.